Mais bon, elle a un statut, elle est reconnue par la noblesse et ainsi de suite, donc elle a quelques passe-droits à la cour, hein. Je serais ravi d'y aller jeter un coup d'œil. Cela fait bien longtemps que j'ai pas été voir une institut de magie. Ben, si vous avez été créé, je crois que vous serez peut-être déçu, hein, parce que le niveau qu'il faut pour créer quelqu'un comme vous, je sais pas d'où vous venez. Mais vous venez pas de chez nous, en tout cas. Enfin, c'est sûr. Et de chez nous, dans la région proche, voire même plutôt très très éloigné. Hein. Pour l'instant, je suis en train de me demander de quelle région du monde vous pouvez bien venir. Je pensais à peu près connaître tous les pays de la carte, mais j'ai encore quelques. Enfin, voilà. Vous n'avez pas été encore assez loin, mais Voilà. bientôt vous pourrez y aller. Mais je crois en vous. Je suis sûr que vous êtes une solution à ce genre de questions. Je ne sais pas si je suis une solution, mais en tout cas, je suis celui qui en recherche. Ah, vous aussi, vous aimez chercher? Ah oui, tout à fait. Bon, ceci dit, moi ce que je préfère, c'est le moment où on trouve. Même si Ah, ce n'est moi, ce pas que ce je qu'on cherchait, recherche, mais le c'est le moment où on met chemin. la patte dessus, juste ce moment-là. Là, c'est. Ah, j'ai tous les poils qui se dressent, c'est. Les sensations, c'est inimaginable. Presque aussi bon qu'avec une femme. Pardon, avec une femelle. Et c'est comment? Pardon. Les poils qui se dressent, hein. Non, avec une femme ou une femelle. Ah. Comment je pourrais dire? En fait, faut le vivre, c'est mieux, quoi. Ah. Oh, je poserai la question à la prochaine taverne. Évitez ça. Bon, ils vont pas comprendre, je pense. Ah bon, vous Ça pensez? va vous obliger à expliquer que vous avez été créé, tout ça. Enfin bon, ou ça va vous obliger à mentir. Du coup, ça va mal, sans doute mal se passer. Bon, je suis pas là pour faire des dégâts, hein, ni du trouble, bien sûr. Mais suivrez vos contre-conseils. Vous êtes. Mais par contre, si vous voulez bien me dire d'où vous venez, moi ça m'intéresse parce que un endroit qui vous a créé, moi faut que j'aille visiter ça. C'est incontournable ça. Faut que j'y aille. Faut que je voie ça. Ah, c'est le problème, voyez-vous. Je ne sais pas comment rentrer. Ça, vous savez pas, vous rappelez pas comment vous êtes venu ici? Il y a fort longtemps et j'avoue que j'ai perdu un petit peu de mémoire depuis, mais je sais que je viens d'un royaume qui s'appelle Eberron. Ça vous dit quelque chose? Non, je crois pas. Eh bien, je sais que je suis passé par là, enfin, je suis issu de ce monde-là, mais j'ai visité un autre royaume qui s'appelle Arcadie, vous connaissez? C'est merveilleux là-bas. Pour être à la recherche de mon maître. Arcadie, non, ça me... Enfin, ça, c'est à vous de le voir, hein, si ça me dit quelque chose ou pas. Parce qu'Arcadie, je pensais dans un autre monde, c'est ça? Oui, tu connais pas du tout. Ouais. Voilà. Par contre, vous avez parlé de monde. Comment ça, vous parlez d'un autre monde? Vous êtes un isekai? Quoi? Et les jeunes, en ce moment, lisent beaucoup de bandes dessinées où ce qui parle d'isekai, de gens qui meurent, qui se réincarnent dans d'autres mondes parallèles et des choses comme ça. Vous êtes Ah, ce pas genre du de tout. personne? Ah, pas du On vous tout. a créé pour vous ramener, on vous a invoqué?
Non. Ah. Non, j'étais parti à la recherche de mon maître qui a disparu et j'ai suivi ses traces. J'ai suivi ses traces jusqu'ici. Mais je Il le cherche s'appelle comment encore. votre maître? Peut-être que le maître, je le connais. Enfin, on en a peut-être entendu parler de votre maître. Qui s'appelle. Ah, c'est le grand magicien Idbir. Igbir. Non, ça me dit rien. Tu m'arrêtes hein, si jamais d'un moment ou un autre je dis une bêtise. Hein. Non, non, pour l'instant c'est très bien. Vous êtes tous les deux très bien. Igbir. Oui. Bon, attendez, il faut que je le note ça parce que ça. Ça faut pas que je l'oublie. Donc c'est lui qui vous a créé? Oui, c'est mon maître. Il m'a créé Ah, c'est bon. pour l'aider à donner des cours et dans l'aider dans ses recherches. Mais il a été attaqué et il a disparu. Je pense qu'il a été enlevé. Il a été enlevé. Hein? Et Mais oui, bien sûr, vous vous rappelez pas de quand ça date tout ça. Ça date d'un petit moment, je suppose. ah oui, tout à fait. Mais les dernières traces émanent de ce royaume, mais enfin, en tout cas du royaume de cette terre. Alors je ne sais pas si c'est Ragaron ou Alarian, mais Bah, tu vois que j'aplatis un peu le sol au par. J'aplatis, enfin, je me trouve un endroit un peu. J'aplatis un peu le sol, et puis avec. Attends, est-ce que j'ai ça ou pas? Bah, tu vois que je sors moi un petit couteau pour manger, puis je commence à dessiner dans le sol. Je commence à faire des lignes rapides et ainsi de suite. Je fais, voilà, c'est à peu près ce qu'on sait de notre monde, ça ressemble à ça. Et on est ici. En plantant le couteau dans cet endroit-là, quelque part entre Felin et Ninino, donc ici, à 50 km près. Je suis pas un spécialiste de la navigation non plus, mais on est à peu près ici. D'accord. Et à supposer que le monde, comment dire, le monde est une planète normalement, donc c'est une boule qui flotte dans le vide de l'éther spatial. Et si je fais, si je décolle comment dire, la surface de la boule de la sphère sur laquelle nous vivons, que je la mets à plat, ça ressemble à peu près à ça. Mais c'est un peu déformé quand on met à plat. Les distances changent un petit peu. Je comprends ce concept. Mais c'est aussi. C'était la raison de mon voyage initialement. Et c'est là où j'ai rencontré ce merveilleux roi Isgog qui m'a accueilli parmi les siens. Et j'avoue que j'en ai perdu partiellement ma priorité. Mais maintenant que je suis avec un autre maître de recherche, je serais tout à fait ravi de reprendre cette quête. Mais je ne peux m'empêcher d'aller quand même aider ce pauvre peuple qui en ont dans le besoin et qui ne pourront pas résister face à ce qui va leur arriver. Ouais, c'est terrible. Ah, j'ai oublié de vous dire, la cousine, elle s'appelle Tilly. Si jamais on est séparés ou quelque chose, je vous conseille d'aller à l'adresse, je te donne une adresse. Vous verrez, c'est dans le quartier des Félices, c'est un troquet. Alors je conseille d'y aller en soirée, hein. Enfin à l'heure où, après la sieste, tout ça, où les gens, enfin on dit, mes compatriotes Félices socialisent. Hein. Vous êtes un Félice? Oui, je suis un Félice de la tribu des blablabla et de la famille des blablabla. Ah,
Et donc, du coup, c'est à ça que ça ressemble. Oui, enfin, je suis plutôt. Il y a plusieurs lignées de Félix. Hein. Il y a les lignées de Félix plutôt. Comment dire? Comment je pourrais vous faire un parallèle avec tout ça? Moi, je serais plutôt dans la lignée des Félix des chats sauvages ou des. Comment on appelle ça, là, les petits chats qui se baladent dans la forêt, dans la montagne. Ah. Oh. Oui, moi je serais plutôt de la lignée des félis chats sauvages. Par contre, il y a des félis qui sont costauds, bien forts et ainsi de suite. C'est plutôt des tigres. Hein. Ils font dans les 100 kilos, ils ont des griffes comme ça. Enfin bon, vous voyez, et des dents. Et les crocs, je vous explique pas. Ah, voilà. C'est pas tous les mêmes lignées, voilà. Nous, on est plutôt, cérébral. On réfléchit avant d'agir. C'est pas l'estomac qui décide à la place du cerveau. Ou les couilles. Bien que des fois, les couilles excitent quand même un petit peu, quand même. Les couilles vous excitent un petit peu. Il y a certains allants, certaines odeurs de femelles quand elles vous regardent comme ça, et puis elles vous invitent à. C'est difficile de résister. Waouh, fais genre un miaulant, tu sais, mais un miaulement très spécial, le chat un petit peu énervé. Waouh. Ah, je serais très ravi de poursuivre cette discussion avec vous. T'as l'air très inspirant. Mais bon, comme dit, je suis plutôt d'une lignée ce qui plus cérébral hein, voilà. Je comprends. Donc si jamais on est séparés, je vous conseille d'aller voir Tilly, ma cousine, de vous présenter à elle. On se retrouvera là-bas si jamais. Problème. Et effectivement, bah, le griffon fringant, c'est une auberge, mais c'est deux bâtiments en fait qui sont collés côte à côte, dos à dos, et la partie la plus connue donne sur une des grandes places de la ville, et la partie arrière donne plutôt dans le quartier Félix. Hein. Et donc le vis-à-vis du griffon fringant. Je donne un nom d'un bar, ainsi de suite. Et les deux, ce côté-là, c'est plutôt un lieu de rencontre de quartier pour nous Félix de l'autre côté. Mais il y a une porte qui permet de passer d'un bâtiment à l'autre. Donc il faut que je passe par le griffon fringant, ça ? Non, vous pouvez passer par le quartier Félix, c'est pas un souci. Il n'y a pas. C'est connu, hein, tout le monde le sait, ce truc. Hein, Je comprends. Je vous suivrai alors. Alors après, entre parenthèses, pour le jeu, je me permets de rajouter que ce que les gens connaissent un peu moins, c'est ce qu'il y a sous les deux bâtiments. Il ressemble plutôt à une affaire de famille, de la famille de Tilis. Mmh. Ça te va ? Oui, très bien. Très bien. Je sais pas si vous avez autre chose à vous dire. Non, le lendemain matin, Rusty aura une nouvelle apparence. Une apparence de quoi? Parce que... De Félix. Ah oui. Sympa. Par contre, t'es un Félix d'un mètre 90, quoi, du coup. De 2 mètres. De 2 mètres, ok. Un gros château. C'est un très gros chat. Vous savez maintenant ce qui me comment dire me. Je viens de comprendre ce qui me. Le détail qui me. Comment dire me gênait. C'est votre odeur. Vous venez de changer de forme. Je comprends maintenant comment vous avez fait de changer de forme. Votre odeur ne passe. Comment dire
vous n'avez pas d'odeur. Enfin, vous n'avez pas vraiment d'odeur vivante. Comment je peux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je ne dégage pas d'odeur. Comment dire, de sueur, de peur. Enfin bon, quand vous êtes. Les gens, quand ils sont effrayés ou ainsi de suite, il y a l'odeur de la peur. Et enfin bon, ça. L'odeur des gens change, quoi. Et au fur et à mesure de la journée, quand vous êtes fatigué, que vous avez bien mangé, que vous êtes éventuellement soulagé, que vous avez dormi, et ainsi de suite, et l'odeur des gens change dans la journée. Et votre odeur, elle est fixe. Et ça sent bon. Bah, ça sent pas vraiment, en fait. Disons que. Je l'avais pas capté, mais maintenant que vous avez changé de forme, c'est. Et ben, vous avez gardé du coup l'odeur d'avant. Cette espèce de manque d'odeur parfumée des endroits que vous avez croisés, mais comme moi, quoi. Si jamais vous voulez bien vous déguiser, si jamais vous êtes face à quelqu'un qui a un odorat vraiment développé, que vous fassiez attention à ça, hein, si vous restez discret. Oui. En général, je suis quelqu'un de discret, mais je utilise ce subterfuge pour mieux m'intégrer. C'est comme ça qu'on dit. Bon, moi, j'ai pas ces moyens-là. Moi. Alors, je vais quand même vous expliquer un truc, parce que là, on a le temps. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne, c'est bon. C'est pas dangereux. Hein. Ouais, j'ai une autre technique, mais c'est pour être discret. Je dis ça avec les petits doigts à gauche, à droite, genre entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment discret, en fait, ce que je fais. En fait, je fais ça. Tu vois, en fait, je fais un geste. Je sais plus, il faut que je regarde d'abord. Ouais, je fais un geste. Un petit geste, un composante verbale et matérielle. Et donc, ma composante matérielle, c'est mon truc pour lancer les sorts. Et tu vois qu'il y a une énorme bulle d'ombre qui apparaît autour de moi. D'ailleurs, tu finis dedans. Et donc, tu m'entends parler dans une bulle de ténèbres complète dans lesquelles, normalement, tu ne vois pas. Ah oui. Et donc c'est... Voilà, en fait je crée une bulle de ténèbres autour de moi. Moi je vois dedans, mais la plupart, enfin la quasi-totalité des gens ne peuvent pas voir dedans. Donc c'est bien de nuit, parce qu'il fait déjà nuit. Mais bon, les gens qui voient la nuit, tout d'un coup ne voient plus du tout. Oui, je vous le confirme. Mais faire une bulle de ténèbres dans la journée... C'est pas super discret, mais quand la bulle elle fait... comment dire... Faut que je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Quand elle fait 4,50 m de diamètre, ça devient difficile de savoir où je suis dans la bulle. Ah. Mais une boule de feu, ça résout le problème. C'est pas faux. Mais... Et quelques secondes, un instant après, tu entends de nouveau ma voix derrière ton dos. Il n'est pas certain que je sois là où vous lancez la boule de feu. Je vois. Eh bien, si nous sommes tous les deux experts en discrétion. Ah, vous êtes spécialisé dans la discrétion? Ah, vous allez plaire à ma cousine alors. Disons que j'ai quelques notions de discrétion et ouf, il disparaît. Cool, ça je sais pas le faire, mais si vous saviez comme j'ai envie de savoir le faire. Je comprends, et si vous le souhaitez, je pourrais vous l'apprendre un jour quand vous pourrez. Ah, peut-être, je sais pas. Juste une question, toi tu lances les sorts, de quelle manière? C'est de manière académique ou comme un sorcier ou un mage, je suppose? Académique, ouais. Ouais, alors je vais juste faire un jet. Ah, mais c'est un mage alors. Oui,
comme je vous l'ai dit, mon maître m'a créé pour l'aider dans ses recherches et sur ses cours aussi. Alors, votre maître a créé un mage? Disons qu'il m'a créé moi et ensuite il m'a enseigné. Il vous a éduqué, quoi. Comme son enfant. Ok. Bon, fais-moi juste un jet d'arcane, toi aussi. Ah, ça suffit. Je lance pas la magie comme toi, en fait. A priori, ça ressemble plus à un pouvoir magique qu'à un sort qu'on apprend de manière académique, en fait. Toi, tu sais une chose, c'est que je ne suis ni un mage, ni un ensorceleur. C'est très intéressant. Ça existe. Voilà. Après, tu pourrais peut-être dire que la magie racine sont les ombres et les ténèbres, en fait. Du coup, je te propose qu'on fasse un fast-forward du trajet, parce que je pense qu'on va continuer à discuter, à faire connaissance. Oui. Sachant que vous êtes comme vous êtes avec l'ami Point Brillant, lui aussi va vous parler de sa tribu. Merde, comme j'ai oublié, lui. Non, mais c'est pas très grave. Vu que le joueur n'est pas là, c'est pas grave, il se débrouillera pour vous raconter la prochaine fois. Mais il est avec vous et lui, il est d'autant plus suspicieux que parce que avec les patrouilles qui le regardent un petit peu de travers.